Bonjour les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle vidéo sur The Prince of Persia, The Lost Crown. Je suis très content de vous retrouver, j'ai hâte de continuer ça avec vous, j'espère qu'on va le finir cette fois-ci, on verra bien. Nous sommes dans la Tour du Silence, alors nous sommes pas au même endroit auquel je vous avais quitté la dernière fois. En fait, je suis revenu ici, là où on n'avait pas réussi à récupérer une des pièces de Xerxès qu'il a récupéré dans la Tour du Silence. D'ailleurs, il y en a une deuxième juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, avec ma deuxième partie, j'ai refait donc la Tour du Silence. Et finalement, j'ai trouvé le moyen de récupérer cette pièce-là et celle-ci. En fait, celle-ci, elle est assez simple à récupérer, entre guillemets. Parce que il suffit juste de, voilà, de faire un parcours, etc. Alors que celle-ci, il fallait vraiment faire des compétences précises à la suite que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. En fait, nous avons eu le sorte de grappin là, qui nous permet justement de nous déplacer dans la Tour du Silence très très facilement. Et en fait, grâce à ça, nous pouvons aussi agripper des sortes de poignées, voilà, que vous pouvez voir juste ici, là, en dessous de mes jambes, en dessous de mon personnage, là. En fait, c'est ça, on peut l'agripper avec ce truc, mince. Voilà, ce truc-là, là, justement. Sorte de petit grappin temporel. Voilà, on peut s'agripper avec. Donc, en fait, il suffit de, tout simplement de faire ça, comme ça. On fait ça. Hop, on fait le double saut, et voilà. Let's go. Nous avons la pièce d'exercice. Voilà, lorsque la dernière fois, j'avais essayé de le faire avec vous en vidéo, je pense que vous vous souvenez, je n'avais juste pas pensé à le faire. Et là, finalement, on l'a fait. Donc, voilà, pour commencer, nous allons ramasser donc celle-ci. Donc, on vient de le faire. On va du coup aller ici, donc je vous reprends dès que je suis à cet endroit-là pour pouvoir faire le parcours et récupérer la deuxième pièce d'exercice qui nous manquait. Et ensuite, on va revenir du coup ici. Enfin, je pense que je vais essayer de me suicider pour que ça aille plus vite et comme ça, après, on enchaîne avec la suite de la Tour du Silence. Après, au programme, qu'est-ce que nous avons? Nous allons retenter cette quête-là, l'ermite. On verra bien ce que ça donne. Je me suis entraîné un petit peu, du coup, sur ma deuxième partie. Je pense que j'ai trouvé la solution pour pouvoir le faire avec vous dans cette vidéo. Ensuite, Mariam l'architecte. Nous avons donc toutes les énigmes normalement, donc on va retourner la voir aussi. Et ensuite, pour finir, nous allons aussi cette quête-là à terminer. Donc nous allons, je pense que nous devons retourner voir le sort de mec là qui nous avait donné la quête avec les gardiens au tout début, les sortes de spartiates, là, enfin les guerriers qu'on doit tuer et leur donner le repos éternel, quoi. Aussi, je vous rappelle qu'il ne manque que deux jarres, donc là sur la Tour du Silence il y en a trois, nous en avons une, plus que deux, et en fait c'est les deux seuls qui nous manquent pour avoir toutes les jarres du jeu. Donc je pense qu'à ce moment-là nous allons avoir ici pareil une quête qui va enfin se lancer, et c'est pour cela que ce trésor-là sera enfin accessible. Donc normalement tout cela est prévu pour ces épisodes-là, dès que je parle avec vous. On verra comment ça avance, donc la Tour du Silence, bah faut voir déjà sa taille, hein. Je pense que c'est quand même assez grand, même si je pense qu'on est bientôt à la fin, parce que là on va bientôt rejoindre l'autre côté de la haute citadelle. On verra bien ça, donc je vous reprends dès que je suis à cette pièce d'exercice, à tout de suite. Voilà les gens, je suis arrivé à l'emplacement où se trouve la dernière pièce d'exercice, enfin non, c'est pas la dernière pièce, c'est l'avant-dernière, parce que nous avons 3 sur 5, donc c'est la quatrième, et il y en a encore une autre à trouver quelque part dans la tour. En tout cas, donc en fait, il suffit de faire voilà, le petit parcours, alors qu'il a l'air d'être voilà, assez simple, mais il faut faire attention tout de même. Voilà, en fait, il suffit de faire ce genre de choses. C'est pas grave si on se pique. Ouais, alors attendez. dans mes souvenirs, c'était un peu plus simple que ça, mais là, j'ai un peu de mal. Alors attendez, comment est-ce que j'ai fait? Comme ça. Ok. Je ne sais plus exactement comment est-ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait comme ça, quand même, ça c'est sûr. Je crois que... j'ai fait ça. Voilà, c'est ça. Hop. Dommage. Dommage, dommage. Voilà, c'était exactement ça qu'il fallait faire. En fait, il fallait revenir en arrière, passer en dessous, revenir comme ça, etc. Bon, vous avez compris le principe. C'est assez technique à comprendre. Mais bon, une fois qu'on l'a, on a la technique, ça va mieux. Mais bon, là, pour le moment, je me foire un peu. On va essayer de se concentrer. Hop. Donc là, on fait ça. On se laisse tomber, on revient ici, on fait ça, hop. Ouais, ok. J'y étais presque. En fait, je vais pas assez vite. Je vais pas assez vite. Je vais vraiment pas assez vite. Voilà, et donc je me fais avoir. Je vais vraiment pas assez vite. C'est vraiment toute une tic, tout un timing. Voilà, et en plus là, je me concentre pas. Attendez, je me concentre. Non, bah non. Je suis bête. Voilà, hop. Ok, comme ça, comme ça.
Voilà. Et voilà, let's go. C'est assez technique, c'est assez technique. On est obligé de se faire toucher. Enfin, je ne sais pas si on est obligé de se faire toucher ou s'il y a vraiment le timing parfait pour ne pas se faire toucher du tout. Je pense que c'est assez compliqué à faire. Je ne sais pas si les no-hits sur ce genre de jeu existent. Enfin, sur ce jeu existent. En tout cas, si ça existe, franchement, les mecs, ils doivent être vraiment très très chauds. Il faut quand même pas mal de temps pour réussir. Mais je ne sais pas si c'est vraiment possible de réussir cette pièce d'exercice sans être touché du tout. Enfin bref, c'est pas grave. Là maintenant, bah du coup, on se suicide. Ah, justement, ça tombe bien. Voilà, j'aurais peut-être même pas dû me soigner. J'aurais dû, voilà, juste mourir et ne pas me soigner une fois que j'avais eu la pièce. C'est une solution radicale, mais bon, voilà, ça nous coûte que 10 cristaux. Franchement, c'est pas grand-chose. Comme ça, ça va nous permettre directement de remonter et donc de faire la suite. Let's go. C'est parti, les gens. Découvrons ça tous ensemble. Alors, où est-ce qu'on est là? Ok. Là, il suffit de grimper, je suppose. À droite, il y a l'air de rien y avoir. Donc, il faut aller à gauche. À droite, ok. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le petit coin à gauche, là-bas? Ou est-ce qu'il n'y a absolument rien? Ah ouais, il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose. Ouais, ok. Voilà, il y a des petits cristaux. Là, il n'y a rien. On vérifie, on tire dans le mur au cas où. On ne sait jamais. Voilà, donc la suite c'était bien à droite, mais bon, comme vous savez, je vérifie toujours pour voir s'il n'y a pas des choses cachées, parce que nous devons quand même récupérer au minimum toutes les jarres, parce que comme ça, au moins, ça nous permettra de valider la quête. Après, si on n'a pas tous les trésors et toutes les pièces de Xerxes, c'est pas du tout grave. Alors, est-ce qu'on commence par la gauche ou la droite? Bon, on va suivre la droite, on verra bien ce que ça donne. Ok, bah Fariba est là déjà. Bah j'ai bien fait d'aller à droite, encore une fois. Salut Fariba, ça va ou quoi? Merci pour la carte, c'est très gentil de ta part. Faites-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette... Mais avec plaisir. Avec plaisir. Au moins, maintenant, on verra où est-ce qu'on va. Ça va être beaucoup plus simple. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est quand même encore bien grand, hein. On a déjà fait tout ça, et il reste encore tout ça à faire. Bon, moi, on va bien s'occuper, on va bien s'occuper. C'est pas grave, c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a un truc au-dessus, là? Ok, il y a des trésors. L'œil de lynx. D'ailleurs, là, il y a une sorte de tête de mort, sorte de tombeau, je suppose, et là, il y a une sorte de d'oiseau. Ça fait un peu peur, en vrai. Hein. L'oiseau comme ça, ici, je suppose qu'on va devoir affronter un truc assez bizarre. Pas forcément, hein, mais il y a moyen. Bon, à droite, du coup, il n'y a plus rien, si je comprends bien. Ok. On va peut-être quand même faire ça au cas où. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ah, ils sont beaucoup, là, ils sont beaucoup. Ça va être une zone assez tendue, je pense. Toi, tu meurs déjà, s'il te plaît, merci. Hop. Et toi, tu dégages. Adieu. Voilà. Ok. Dégage-toi. Ne me touche pas. Ne me touche même pas. Ne rêve même pas à me toucher. Oula. Oh là là. Hop. Oh, dommage, j'ai pas tombé. Par contre, là en bas, regardez. Si on regarde bien là... Ah ouais, il semble bien y avoir un truc, hein, on est d'accord. Hein. Regardez ça. Ouais, attendez un peu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, attendez. Ok. Assez compliqué à faire quand même, je trouve. Je ne sais même pas si c'est possible de le faire. Ouais, c'est un peu étrange. J'ai bien envie de voir quand même. C'est quand même bizarre qu'ils aient... Non? C'est pas bizarre qu'il y ait cet emplacement? C'est vraiment étrange. Que, par exemple, il y aurait un... Non, pas du tout. Bon, bah, je crois que non. C'est juste... Je crois que c'est juste un petit piège comme ça. Bah, je me renseignerai sur Internet. Et si jamais vous avez des... Vous connaissez, vous, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que c'est vrai que c'est un peu étrange qu'ils aient placé ça. Ah, ok, là, il y a un truc. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ah, ils sont chauds, là. Juste, waouh, ah c'est tout juste, hein. Punaise,
Tout ça pour des cristaux en plus, c'est même pas un truc de dingue quoi. Mais bon, merci quand même. Ça fait toujours des sous en plus. Alors, ici en bas, on y a été ou pas? C'est là d'où on vient, hein, non? Ah, quoique, non, peut-être même pas. Hein. Ah oui, d'accord, on peut pas y aller. Mince. Ok, j'ai rien dit. Ok. Ok, lui est là, c'est pas grave. Nous, on est surtout là pour les flèches. Donc là, il y a un mec, là, il y a une tête de mort. Ok. Dommage. Oh, bien joué, ça. Ok, nice. C'était beau. C'était beau, c'était beau. Alors, là, au-dessus, on peut y aller. Là aussi, logique, après, on peut aller un peu partout. Hop. Let's go. L'enchaînement magnifique. Hein. L'enchaînement magnifique. Ok. Donc là, normalement, il y a le... Y a... Voilà, il y a un autre mec. Oh. Ouais. Aïe. Bien joué. Ok. Ok. Let's go. Alors, on peut aller là. Je ne sais pas si ce serait quoi l'intérêt. Ah d'accord, on pouvait arriver directement d'ici en fait. Ah si j'avais su, bah je l'aurais fait mais... Ah, c'était chaud. Ah je savais pas. Après c'est normal, on découvre. Hein. D'accord. Donc là-bas je crois qu'on y a été, je crois. On va aller là du coup, hop. Très bien. Pas grave, il m'a un peu brûlé. C'est pas grave. J'ai juste envie de vérifier si on a bien tout récupéré ici. Il semble que oui, mais je préfère bien vérifier parce que bon, comme ça peut nous éviter tout simplement de revenir 50 fois dans la même zone, bien évidemment. Alors, ok, là il y a un truc aussi encore au-dessus. Ok, là il y a un truc. Let's go. Alors, est-ce que c'est une mimique? Non. Y'a rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a un coffre qui reflète? Ok, bon, très bien. Ok. Aïe, dommage. Ah ok. Ah, en bas, il y a un truc peut-être. Non, d'accord, c'est absolument rien, c'est un piège à con. Très très bien. Ok, par là. Par là, par là. Ah, ils peuvent pas. Ah, ils sont chiants ceux-là. Hein. Soit on va à gauche, soit on va à droite. Bah, je vais tenter d'aller à droite directement, on verra bien. Et sinon, c'est par la gauche aussi qu'il faut aller. Tu dégages, s'il te plaît. On va aller à droite, on verra bien si c'est bloqué ou si c'est ouvert. Il y a un truc qui brille déjà. Ramasser. Qu'est-ce que c'est ? Fragment de mémoire, aura de perte, un fragment de mémoire brisé, piégé dans le temps, on perçoit un léger bruit de pleurs. Ouais, ok. Ok, là c'est la suite. Tu verras ça après. Ok, donc là il y a déjà un truc, sinon on peut remonter. Enfin, normalement on peut remonter, mais après si c'est bloqué, bon bah c'est bloqué. Très bien, c'est pas à droite. Pas de problème, on va du coup commencer par la gauche. Il y a très très bien. Ils ont choisi leur côté. Ils préfèrent qu'on commence par la gauche. Très bien, on commence par la gauche. Hop, par ici je crois. Exact, nickel. What? Ah d'accord, donc en fait c'est même pas ça. En fait si on remonte ici, après soit on fait ça et on revient ici, soit on fait ça et on revient ici. Ah ouais, ah les mecs ils ont pas le temps quoi ici, ok ok. Bon bah très bien, finalement c'est même pas ici non plus. Ah ouais, ok ok, très très bien. Hop là, let's go. Bah pas de problème, hein, c'est tout, c'est linéaire, hein. On peut pas tout reprocher non plus au jeu, hein. C'est normal aussi des petites phases linéaires, c'est normal. C'est pas de l'exploration 100% libre. Ok. Donc c'est pas là du tout. Donc ça doit être là aussi alors, ok, très bien.
Comme ça, donc là déjà il y a un arbre au-dessus, ça c'est très très bonne nouvelle. Là en face il doit bien avoir un truc, c'est sûr et certain. Il y a un arbre ici quelque part, pas loin, je pense, j'espère. Ouais, là au-dessus je pense qu'il y en a un. On va lire ce qu'il y a. What? C'est... Lire. Le temps pour leur corps d'être débarrassé de toute chair, le temps pour leur âme d'être jugée au pont de Shinwa. La tour du silence offre le report aux souverains, souveraines de Perse, au soir de leur vie charnelle. Trois jours pour que Rashnu soupèse leurs bonnes et mauvaises actions, trois gongs depuis les hauteurs pour faire résonner leur légende. Quand les gongs entrent en harmonie, alors la porte s'ouvre et le silence qui s'en échappe transporte la légende plus loin encore. Ok. D'accord. Très bien. Donc il faut qu'on fasse sonner trois gongs, si je comprends bien. Pas de problème, on va faire sonner les trois gongs. Enfin, on va, en tout cas, on va essayer. J'ai bien envie de voir en bas s'il y a quelque chose. Déjà là, il y a un truc, ça m'intrigue là. Attendez. Il y a un truc au-dessus là. Où est-ce qu'on... Il y a un truc là au-dessus, mais je ne sais pas comment y aller. Très bien. On va commencer par la droite, hein. On va commencer par la droite. Hop. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais... Déjà, on va aller là aussi. Ça y est, parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose aussi. Déjà, tu me laisses tranquille, merci. Toi aussi, merci. Toi aussi, merci. Alors, déjà, il y a un truc là. Ok, un coffre. Des trésors, très bien. Et est-ce qu'il y a un truc tout en bas? Il semble pas. Très bien. Pas de problème. Au moins, on aura vérifié ça. Hop. Mince. Ah, tout va bien. Je gère. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Aïe. Je disais que tout allait bien. Ok. Ok, c'est bon. On remonte tranquillement. C'est bien. Allez, on repart à droite. On ira vers le haut, là-bas, où c'est coincé plus tard. Oula. Oula, je les connais, eux. Ah ouais, je les connais. Je les connais plus que bien, même. Voilà, ok. À chaque fois, il apparaît à droite, en plus. Je le sais, hein. Je le sais, en plus. Allez, salut. Celle-là, elle n'avait jamais fait d'attaque. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ouais, il semble pas. Alors, on doit aller vers la gauche. Et il y a un renfoncement vers la gauche, ouais. Ok, là, parfait. Oula. Allez, tiens! Ah, t'aimes pas le feu, hein? Ah ouais, mon pote! Eh ben ouais, j'ai bien fait de prendre ces flèches enflammées, hein, ça je vous le dis. Alors, déjà... Ok. Ok, c'est bon. C'était tout juste, mais j'ai réussi. On peut aller vers la gauche. On va y aller. Parce qu'il y a, encore une fois, des sous, et on adore les sous. On adore les sous, les gens. On adore. Par contre... Ouf, c'était tout juste. C'était très juste. Alors là, en bas, il y a un truc aussi. Enfin, c'est ce que je croyais, mais pas du tout. On va... Oulala, ouais, ok. Je pense qu'on doit aller là, comme ça. Ok. Comme ça. Non, combien... C'est 3 de suite, hein. Non, 2. Ouah! Ok. Waouh, waouh, waouh. Et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à voir le. Oh. Ce mec-là. Alors, est-ce qu'en haut il y a.
Est-ce qu'en haut il y a quelque chose? Non, il semble rien y avoir. Par contre, en bas, il y a peut-être quelque chose. Ok, là il y a... Parfait. Let's go! L'œil de lynx! L'œil de lynx. Est-ce qu'on peut remonter sans mourir? C'est une autre paire de manches, je pense. Ok, nice. Oh, c'était magnifique ce que je viens de faire. Oh, c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Je m'aime. Oh là là. Aïe. Ah oui, d'accord. Donc quand on les tape avec la main, on a mal. Par contre, on peut les tuer avec l'arc sans problème. Allez, prends ça. Très bien. On peut descendre là. Ça sert à rien. Est-ce que là, non. Pareil, ça sert à rien non plus. Donc là, c'est ici. Ah oui, donc là, c'est l'urne. Donc en fait, on aurait pu l'avoir même comme ça. Très bien. Ok. Ah bah ça, c'est la porte qu'on pouvait pas avoir. Ah ouais. Mais je l'avais même pas vu, cette porte-là. Ah bah oui, c'est parce que je suis directement allé par le haut. Ok. Bah oui, c'est pour ça. Oh merci. Oh merci la boule de glace. Merci merci. Ça m'a bien aidé là. Ok, c'est bon normalement. Ok. Donc là on arrive là en fait, c'est bon. Et on arrive ici, c'est ça. Ok, c'est parti, on enchaîne. Donc on a les deux urnes sur trois. Plus qu'une seule à trouver. Très bien. Alors, où est-ce qu'on tombe ici? Très bien, ici, ouais. Ouf, voilà, ça va nous... Ouais, c'était sûr. Ah oui, bien sûr. Alright, attendez, on va... Ouais, mais bon, comme j'étais en pleine animation, J'étais un peu obligé, en fait. Ah non! Ah bah oui. Hop, hop, hop! Non! Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très 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 chaud. Ok, eux ça va. Allez, prenez ça direct. Let's go. Encore un ou pas? Non, parfait. On les a défoncés. On les a bien bien gérés comme il faut. Nickel. Alors déjà, il y a un truc vers le haut. Mais sinon, à gauche, c'est un cul-de-sac. Ah bah, il y a là le gong. Let's go. Non mais là, par là, là. Bong. Alors, je m'attendais beaucoup plus de son que ça, de la part du gang, mais très bien. Pas de problème, je m'attendais à vraiment un bong, et on a eu juste le bling. Genre, je crois qu'on l'a même pas entendu, enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vraiment entendu. C'est un peu triste. Un petit peu décevant, quoi, un petit peu décevant. Bon, très bien, maintenant, on n'a plus qu'à revenir là, prendre l'arbre et partir dans l'autre sens, du coup. Il y a trois gangs à faire. Donc, il y en a un, je pense, qui est à gauche, et l'autre, il est à droite, etc., etc., quoi. Classique, classique, classique. Mince. Je pense que le dernier il va être gardé par un méga boss bien horrible, c'est ça, comme d'habitude, ils aiment bien faire ça, souvent les gens. Voilà, ici. Alors, ouais, on peut aller là-haut aussi, je crois. On n'avait pas fait. Ok. Voilà. Ah ouais. Ouais, ok. Wouah, c'est chaud là. Surtout avec eux, là. Ok. La dernière urne. Nous avons toutes les urnes, les gens. Nous avons toutes les urnes, et ça, c'est super. C'est vraiment super. Ça, c'est... Bah, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Que dire de plus, à part que c'est génial, je ne sais pas. C'est juste excellent. Vraiment super. Nous allons pouvoir valider vraiment plein de quêtes pendant ce let's play. En fait, je pense qu'il y a peut-être même moyen que j'arrive à faire le 100%. Bah, avec vous, en fait, pas forcément 100, quoi. Ah, il y a un gang là aussi, très bien. Il y a surtout un déplacement rapide.
ramasser. Qu'est-ce que c'est? Juste collection obtenue, la roue rotunière et le roi. Ok. Bon, on a surtout ça, ça c'est cool. Boum! Si on a envie de se déplacer, on pourra le faire. Allez, on descend. Donc là, il y a un gang, en fait. Oula. Ah, bah évidemment, ça aurait été trop simple. Oui, il s'est fait défoncer, lui. Bien joué, ça! Oh, bien, c'est dommage. Ok, on esquive. Bien joué. Pardon. Ah, déjà? Oh, ouais. Ah si, on l'entend un peu. En vrai, on l'entend un peu. C'est moi qui l'ai mal entendu tout à l'heure, mais en vrai, on l'entend un peu. Ok. Bah ouais, du coup, on a plus qu'à aller là. Hein. Parti. C'est un peu obligatoire. Et ça, c'est la dernière partie, du coup. Soit on va pouvoir directement aller là, et ça, c'est cool. D'ailleurs, il est assez proche de ce truc-là, là. Soit on va pouvoir continuer ici. Parfait. Let's go, les gens. Ok. Là, il n'y a rien. Enfin, je crois. Oh, ça c'était... Ah, ça c'est tout juste, en fait. Ah ouais, il fallait avoir le réflexe, là. Ah ouais, les petits coquins, là. Les petits coquins. Non, ça c'est bon, c'est un vrai mur. Ouais, c'est quand même assez grand, ce qu'il reste à faire, là. Dans tous les cas, nous avons exactement ce que je voulais, c'est-à-dire les urnes. Il reste une pièce de Xerxès, un document et un trésor. Mais on a vraiment le plus important, c'est-à-dire les urnes. Oula, oula, oula. Merde. Ah oui, bah je... J'ai fait complètement du caca. Ah là, dommage. Oh yeah. Oh, ce qu'il a pris, là. Oh, ce qu'il a pris. Enfin, j'ai pris cher aussi, mais ça va, j'ai réussi à m'en sortir quand même. Difficilement, mais j'ai réussi. Ok. What the... Wouah. Ça, c'était chaud. Ça, c'était vraiment chaud, par contre. Ok, on va aller là d'abord, on verra. Ok, la pièce d'exercice est ici. Très, très bien. En vrai, il y a moyen que ça soit de nouveau ça. Attendez un peu. Voilà. Je pense en vrai... Ouais, en vrai, je pense que c'est fait exprès. Vaut mieux passer, vaut mieux passer au-dessus. Comme je viens de le faire, là. Et la pièce, en fait, on l'a à la fin. Ok. Ouais, par contre, ça, j'aurais pas dû faire ça. Comment est-ce que je vais faire? Attendez. À moins que ce soit justement l'inverse, faut que je passe par en dessous. Ah, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen que ce soit plus l'inverse, alors. Ouh, c'est chaud. À moins que ce soit quand même par au-dessus. En vrai, je ne sais pas du tout. Je vais tenter par au-dessus, quand même. Parce que par au-dessus, en vrai, ça me semble juste parce que je pense que il va me manquer un saut. Il va me manquer un saut. On va voir. Parce que, ah non, bah oui, parce qu'après je peux atterrir sur le mur. Ok, j'ai rien dit. Je pense que c'est quand même ça. Ok, alors comme ça. Non ! J'ai oublié de faire le grappin. Ok, attendez. Comme ça. Alright. Ouais, pas du tout, parce qu'en fait le boomerang est parti je ne sais où là. Ah, c'est chiant. Vous visez là, c'est pas facile. Hein. Ouais, comment je faisais tout à l'heure? D'ailleurs, j'avais bien réussi. Ok. Ok. Voilà, on fait ça. On fait ça. Ok.
Bah non, pas du tout en fait, c'est peut-être dans l'autre sens en fait. Ah ouais, c'est peut-être quand même dans l'autre sens. Très bien. Ouais mais bon, si ça m'aide... Là ça m'aide pas là. Oh ! Brun ! Ah c'est pas facile hein. Ouais parce que dans l'autre sens... Ouh ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est très 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 compliqué. En fait à chaque fois on va devoir sauter au tout dernier moment. Ouah c'est chaud. Ah ouais c'est pas des c'est un peu des malades en vrai. Oh c'était chaud. Yeah! Woo! Let's go! 5 pièces exercées sur 5. Wouah, pas facile, hein. Pas facile du tout, hein. Pas mal du tout, hein, même. J'aime bien ce parcours. Il était assez demandeur, hein. Bien joué. J'ai failli m'avoir. Ok. Bien joué, ça. Ok. Et salut, let's go! Très bien, on descend. Ok, encore un. Donc là, on va pas pouvoir sauter. Ok, on va pas pouvoir sauter, mais lui non plus en fait. Pas mal. Donc moi, je pouvais plus quand il allait faire son attaque par dessus, mais en fait finalement, il peut pas la faire lui non plus parce qu'il y a une texture. Allez, déjà lui, on le dégage. Il aime pas le feu, hein. Allez! Ok. Let's go. Ah ça, il aime pas le feu, hein, ça c'est sûr. Ok, bah finalement pour le moment ça se passe très très bien. Il me voit pas en plus. Voilà, on va bien l'enflammer. Ok. Ok. Let's go! Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Ouais, y'a un mec. Salut, ça va? À la prochaine! What? Ah ouais! Ah, t'es comme ça, toi. Le mec, quoi. Vous avez vu ce qu'il a fait? Le mec, il est venu. Et il est venu comme ça, genre, il a envie de venir me casser la gueule. Ok, ouf. Comment il a failli m'avoir, là? Alright. Let's go. Alors comment on fait? Bah je pense que c'est comme avant, sauf qu'il va falloir comme ça, faire comme ça. Voilà, comme ça, hein, tout simplement. Alors est-ce qu'il y a des choses cachées? Non, pas du tout. Bah très très bien, pour le moment c'est très triste, il n'y a aucun coffre. Je sais pas si... Il nous manque un trésor et un document, ok. Eh bien, le gang est déjà là. On va voir en bas quand même. Ouais, non, il semble rien y avoir quand même. Hein. C'est bizarre. Il me reste une potion par contre. Il me reste une potion pour faire le combat. Oh, bien joué. Ok. Ok, là c'est... On se débarrasse des têtes direct. Vaut mieux se débarrasser des têtes direct. Tant qu'on est débarrassé des têtes, ça va. Allez, boum, direct. On va jouer ça. Ok. Let's go! Allez, on boit un coup pour être sûr, pour pas mourir bêtement sur un truc. Il y a un truc là. Ah, c'est la suite, ok. Oui! Le gang. Bong! Ok.
il nous manque toujours un trésor. Bon, après, peut-être qu'il est plus loin et un document. C'est possible qu'il soit plus loin, hein. C'est largement possible. Ok. Est-ce que... Non, là, c'est bon, c'est pas un mur invisible. Bon, bon, on continue, on verra bien. Ah oui, je savais pas qu'on pouvait s'accrocher aux ennemis comme ça. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, ça peut être vraiment très utile, ça aussi. S'accrocher aux ennemis quand on est en phase de parcours, comme ça, là, ça peut aussi être très utile. Si on est vraiment au point de tomber et qu'on a plus où s'accrocher, et bah on prend un ennemi et boum. Bah, par contre, faut qu'il y ait un ennemi, quoi. L'arbre, il est encore plus haut. Ok, voilà. Comme ça, on prend l'arbre déjà. Et puis, bah, maintenant, c'est bon. C'est parti. On enchaîne. Les trois gongs ont sonné. La porte peut s'ouvrir. C'est parti. On pénètre dans un endroit encore plus mystérieux. Ok, une tablette à lire. Ouais, trop de trucs à lire. C'est toujours 4 sur 5, donc c'est pas ça, le document. C'est vraiment un objet à trouver. Là, ça semble pas être un mur invisible. Là au-dessus non plus. Par contre, là, peut-être. Non. Dommage. Ok, par contre, là, il y a un truc à accrocher. Ok. Ok, donc là... Ah oui, on peut toujours pas aller là. Bah oui, c'est parce que c'est le truc qui est bloqué. D'accord, très bien. Ok. Là, il y a un truc en haut à gauche, là. Non, du tout, très bien, pas de problème. On enchaîne. Ah, j'ai vu une barre de vie de boss. J'ai vu une barre de vie apparaître et disparaître en un instant. Claire, 30 ans ont passé et je suis toujours perdu. D'accord. Vos conseils me manquent. J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste. J'aimerais avoir votre courage. J'espère que je parviendrai à être le roi que vous étiez. Puissiez-vous m'entendre et me voir progresser. Sargon, tu es venu présenter tes respects. Je suis là pour toi, Varan. Les rois n'ont pas d'amis, et tu ne me donneras pas tes pouvoirs. Où est-ce que cela nous mène ? Nos chemins se croisent toujours. Alors, on se retrouvera bientôt. Ok... Ouah, y a lui qui va se... Lui, il va se lever, là. Ah, ça va être boum. Boum, 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 boum. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être un boss de glace, là. Oh oui, super. C'est le marcheur blanc. C'est le marcheur blanc. Game of Thrones is back. Darius. D'accord. Je savais que le jour viendrait. Où je me relèverai. Super. Pour protéger mon fils. Roi des rois, Darius, roi des rois. Super. Punaise, qu'est-ce qui va encore se passer là? D'accord. Ouais. Ah d'accord, ok. What? D'accord. Je suis où là? Mais je suis... Ah, je suis là! Putain, j'ai pas vu! Waouh. Waouh, faut que j'apprenne que... Je veux juste que j'apprenne ses attaques en vrai. Bien joué. Oh. Ah oui, d'accord, si on se met dedans, on n'est pas...
Ah oui, si on se met dedans, on est mort, quoi. Enfin, on est glacé. Bon, allez, vas-y, on va au moins voir sa deuxième phase. Parce que de toute façon, je pense que comme d'habitude, il y en aura une, voilà. Comme d'hab. Ahura Mazda, donne-moi la force de vaincre ceux qui veulent détruire la Perse. Bordel. Si nous sommes les justes, donne-moi Apache, le feu sacré. Wouah. D'accord. Super. Je ne te laisserai pas entraver le destin. Le mec, il est fait en glace, mais il peut jouer avec du feu. D'accord, super. What the fuck? D'accord. What the fuck is that? Ah ouais, t'es... Ah ouais, ouais, ok, ouais. What the fuck? Non mais ça va... Ouais, d'accord. Pourquoi pas, mais... Dommage trop tôt. Non mais dommage trop tôt, en plus je connais... Cette attaque elle est vraiment très longue. Ok, ça on connaît. Ouais là c'est le... Ok. Voilà en fait, faut juste pas que je dois faire ces timings là en vrai. Waouh. Ah non! Ouais mais mec, laisse-moi au moins me décongeler quoi. Laisse-moi au moins me décongeler, genre, sois un peu honnête quoi, genre. Ah d'accord. Wow, le mec est... Eh tiens, prends-toi ça. Ça, je sais pas comment on est censé esquiver en vrai. Ah ouais, si on... Ok, s'il nous passe à travers, on est comme ça. Ok, c'est bon. Ok. Dommage. Wow. En fait, on pouvait le parer à la fin, mais je savais pas. J'ai vu le truc apparaître, mais c'était trop tard. Ok, ok, ok. Dommage, trop tôt. Ah ouais, merde. Oh, sérieux, là? Ah ouais, mais non. Sérieux. Ok, comme ça on se soigne. Ah mais ça... Ah ! C'est pas facile. Voilà, c'est bon.
Ah bien joué, c'est vrai, j'avais oublié. Ok. Bah c'est pas grave, on passera quand même, t'inquiète hein. Comment je suis censé... Le problème c'est que je sais pas comment on esquive ça en fait. Vraiment cette attaque là je donne ma langue au chat quoi. Ah merde. Dommage. Ça one shot ou quoi? Ouais non, ça va, ça enlève la moitié, bon. Mais... Je ne comprends pas comment on esquive cette attaque. Je comprends pas du tout Franchement, je comprends pas du tout comment on esquive cette attaque. Il nous aspire, mais pour pas qu'il nous aspire, on doit faire quoi en fait? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on doit faire. Et on va faire ça déjà pour vite se débarrasser de la première phase. Enfin, en tout cas, on va essayer. Non, dommage. Ok. Ok. Wouh ! C'était chaud. Oh, nice. Let's go. Ok. Là, c'est gratuit. Ok. Ok. Ah, il aime bien faire cette attaque, hein. Ah, il a ça. Salaud. Protège la Perse. Ok. Ah ouais d'accord, j'ai compris comment on faisait à peu près. À peu près hein. Ok. Dommage. Dommage. Oh merde. Bâtard. Bien joué. Les dieux sont témoins. Non, dommage, c'est pas là que je voulais atterrir, mais bon. Let's go. Je l'ai paré. Dommage. Let's fucking go! Woo!
bum, bitch. Get out the way. Ma défaite était écrite. Yeah. Voir est accompli. Ma liberté gagnée. Roi Darius, je sais ce que vous avez vécu avec Varam. Je sais le crime qu'a commis Tomyris. Sauve ce monde, sauve mon fils. On fera ce qu'on peut. Comment le sauver? Ok. D'accord, je sais pas ce que c'est, mais... Que les dieux aient pitié de votre âme, roi Darius. Allez, boum ! Clé des rois, clé du palais de Darius, morceau de l'épée de Darius. Ok, donc c'est ça qui va pouvoir ouvrir notre porte. Très bien. Parfait. Objet de valeur obtenu, fleur de Soma. Yeah, yeah. Et il nous en manque combien, nous? Une seule? Une seule ici. Ok. Et il y en a une qui... Elle est donnée quelque part, non? Ah oui, elle donne une entière. Elle donne une entière. Et c'est lui qui nous donne une dernière pièce. Punaise, on va avoir une barre de vie, une barre de vie, une barre de vie. Et une barre de vie. On va être pété. On va être pété, les gens. Laissez tomber. What the fuck? Mais on va avoir beaucoup trop de PV pour la fin, non? On est en mode héros, hein, je rappelle. Enfin, on n'a jamais trop de PV, bien évidemment. Bon, allez, on va à droite. On va à droite. Il y a une sorte d'oiseau là-bas, on va voir ce que c'est. Ok. C'est le Simorgue, c'est ça? Il est glacé, en fait. Je sais pas quoi, non? Ah, ramassé. Objet de collection obtenu. Le tombeau gelé. Mon cher ami, alors que me voilà plongé dans la contemplation de la voûte céleste, mes pensées se tournent vers notre estimé roi Darius. Une question me taraude. Qu'est-il arrivé à l'essence même des cieux depuis son départ? Quelles forces cosmiques ont pu provoquer cette tempête glaciale sur le mont Kaf? Et quelle vérité se cache derrière le voile glacé de son trépas? Le brusque changement climatique qui s'est abattu sur la tour de silence m'inquiète terriblement. Jamais ces anciens remparts n'ont été recouverts d'un blanc aussi éthéré. La tour est désormais prisonnière d'une gang de glace étrange et artificielle. Interdisons à nos frères Perse d'accéder à la dernière demeure de notre roi bien-aimé. Quelque chose de grave a dû se produire pour engendrer une telle manifestation hivernale. Le froid qui imprègne l'air semble faire écho au tourment de notre roi, comme une malédiction malveillante pesant sur la citadelle du Mont Kaf. En ces temps incertains, je prie Ahura Mazda d'accueillir avec miséricorde l'âme de notre vénéré roi Darius. Cette colère apparente est sans doute le reflet de son esprit tourmenté. Puissent les cieux nous guider, mon ami, et puissions-nous percer le mystère qui entoure notre roi déchu. Mes pensées astrologiques t'accompagnent, Abou Machar. Très bien. Très bien. On est donc censé aller... ici. Voilà. Pour ouvrir la porte. Très bien, très bien. On a tout ramassé, du coup. Tour du silence, oui, on a tout ramassé. Très bien. Bah moi, ce que je vous propose, c'est de repartir ici, d'essayer de rejoindre ce côté-là, du coup. C'est peut-être possible. Et puis, aller voir cette première quête, l'ermite. Donc, en fait, c'est la quête qui demande un certain parcours. Je me suis un peu entraîné hors caméra. Je pense avoir trouvé la solution. Je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, mais je pense avoir trouvé la solution pour récupérer tout ça. On va voir ça. On va voir ça tous ensemble. On est pas mal, on est vraiment pas mal là. Hein. On est pété de thunasse, on est pété de tout en fait. On est pété de tout. C'est par là, en bas. Ouais, c'est ça. Ok, merci, la porte s'ouvre, c'est parfait. Ici, il nous reste quoi? Un trésor et 4 documents. Ok. Ah tiens, t'es là toi? Ah, c'est marrant ça que tu sois là. Ça va ou quoi? T'es dévoré par la malédiction qui règne ici. Ce n'est pas ça, Neit. Ce sont les pouvoirs, ils ne sont pas destinés aux simples mortels. Des cadeaux empoisonnés. Tu devrais t'en débarrasser. Je n'ai pas le choix. Sans eux, je ne pourrai jamais affronter Varam. C'est le seul moyen. Je viens de comprendre une chose. Les autres Sargons, ils ont suivi ce même chemin. Ils ont suivi ce même chemin. Ouais, mais du coup, ils ont pas voulu rendre les pouvoirs. Bah, toi, t'as intérêt à les rendre. Je n'ai pas le choix. Je pense qu'il a intérêt à les rendre, sinon il va devenir comme les autres Sargons, justement.
en quête de encore plus de pouvoir. Ok, là, il y a rien. Je vérifie quand même, hein. C'est pour ça que je préfère me suicider, entre guillemets. Hein. Alright. Ok, donc ici, on n'a plus qu'à descendre là, et puis remonter tout ça et arriver ici. C'est parti. Alors, ça semble simple, hein. C'est pas si simple. Donc là, normalement, il faut... Ah, bonjour. Tu parles toujours du chemin. Quel est le mien ? Le mien. Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarco. Ok. Un seul tronc, une seule vie t'a mené jusqu'à ce lever de soleil. Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée. Elle est unique. Mais 1000 branches s'offrent à toi maintenant. Ok. Et sur chaque branche, 1000 fruits. Et dans chaque fruit, 1000 graines. Une de ces graines sera ton chemin. Super. Merci mon pote. À la prochaine. Alors hop, on descend. Oui, c'est par là je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et c'est parti. On va devoir monter en haut là-bas. Donc monter en bas, c'est plus compliqué. Elle me saoule. Ah, ben oui, c'était sûr. Ah, ils sont chiants, hein, ces ennemis. Voilà. Et elle continue à m'emmerder, hein, celle-là. Hein. Elle m'en veut, je crois. Ok, par là. Ok, par ici, mais là vers le haut du coup. Hop. Let's go. Allez, on prend ça. Et on va commencer du coup par, je sais plus la quête, l'ascension quelque chose je crois, si je me souviens bien. Alors oui, par contre on a besoin de la pierre, sinon on va pas pouvoir décoller assez haut je crois. Hop, voilà la petite pierre. Non, je pense qu'on a peut-être pas assez de distance pour y arriver. Voilà, ici comme ça, et voilà. Alors, Maître Yoda, parce que je sais pas pourquoi il a une... Je trouve qu'il a une vibe de Maître Yoda, ce mec-là. Non, c'est marrant ça, d'habitude j'y arrive. Non ? La dernière fois j'y suis arrivé, non ? On était assez proche, ouais, c'est bizarre. Il a une vibe de Maître Yoda comme ça, je sais pas, vous trouvez pas ? Bon, bien sûr, il ne parle pas à l'envers comme Maître Yoda, mais... Alors, utile et jeune. Oui, oui, j'ai changé d'avis, toi. C'est bon ou pas ? Ok. Alors, c'est parti. Déjà, faut faire ça. Wow. ça commence bien. Les gens, let's go. J'en ai chié, je vous ai laissé bien évidemment comme d'habitude le dernier moment,
D'ailleurs que j'ai failli foirer. Ça fait je pense au moins... Ouais je sais pas, un bon 15 minutes que je suis en train d'essayer de faire ça. Je vous ai dit que j'étais doué. Waouh. Yeah. Et tu l'es. Tu en as fait une superbe démonstration. Merci monsieur. Waouh. Maintenant, donne-les-moi. Tous les trois. Tu as gagné un sentiment d'accomplissement. Et même un peu plus. Là, c'est assez clair, ouais. Le sentiment d'accomplissement, là, je l'ai gagné, là. Wouhouhouhou. C'est pas facile, hein. Lingot de Damas Azur. Let's go. Le troisième fils. Ok. Et j'ai pas le droit à moi... J'ai pas le droit à ma fleur, là? Bah et ma fleur? Il m'a donné que la tablette de Damas, il m'a pas donné de fleur. Hé, hey, l'arnaqueur, là! Tu es coincé ici sur le... J'ai été exilé. Oui. Pour avoir dit la vérité. J'étais quelqu'un d'important à Persepolis avant, j'étais le médecin. C'était une autre vie. Ok. Peut-être qu'une autre... Notre âme voudra bien relever le défi. J'attends simplement que quelqu'un passe par ici. La patience, mon jeune ami. C'est tout ce qu'il me reste. Oh, bah, je suis dégoûté, en fait, les gens. Hein. Parce qu'à la base, on était censé avoir... aussi une fleur, là. Parce que c'est ce qu'indiquait la quête. Même là, d'ailleurs, ça l'indique toujours que là, ça donne une fleur, et en fait, ça ne donne absolument rien. Je suis vraiment dégoûté. Vraiment dégoûté. Et si on meurt, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve là, de toute façon. Ok, donc dans tous les cas, le plus facile, ça serait... de remonter tout ça, finalement. Ok, allez, c'est parti. On se retrouve devant Mariam. Je fais la route jusqu'à Mariam et on se retrouve du coup devant elle. C'est parti.